Bonjour à tous. Alors pour cette journée de lundi 17 décembre, je vous propose donc un tirage donc pour votre journée avec l'oracle de la magie des fleurs. Je vous laisse donc choisir une de ces deux cartes. Écoutez votre intuition, écoutez votre cœur, puis je vais vous retransmettre donc le message de la carte que vous aurez choisie. Si vous avez besoin de temps pour choisir une de ces deux cartes, vous pouvez faire pause. Alors, pour ceux qui choisissent donc la première carte, la carte à gauche, vous avez donc de la magie des fleurs, la carte Datura. Alors, les spécialités magiques donc de cette carte du Datura sont le voyage astral, dissimulation et invisibilité, discernement, divination, enchantement, puissance magique. La carte, elle vous dit, le Datura vous conseille de regarder au-delà de la surface et dans les profondeurs, pour voir ce qui s'y trouve. Parfois, nous cachons nos motivations, même à nous-mêmes. Êtes-vous honnête envers vous-même au sujet de vos intentions et de vos désirs? Profiterez-vous finalement de quelque chose en avouant vos motivations à vous-même et aux autres? Détendez-vous, regardez profondément en vous et permettez à la clarté divine de dissiper toute nébulosité et de percer les secrets et les illusions à la manière d'un rayon laser. Vous saurez que vous êtes connecté à la vérité quand vous éprouverez un sentiment de soulagement et de revitalisation. Voilà pour vous. Pour ceux donc qui choisissent la seconde carte, la carte à droite, vous avez donc de la magie des fleurs, le nénuphar. Les spécialités donc magiques du nénuphar, donc de cette carte, sont la clarté du désir et de la direction, atténuation des passions, flot créateur, guérison de la dépression, guérison du cœur, purification, nourriture spirituelle, transmutation. La carte, elle vous dit, plus vous éprouvez quelque chose que vous ne voulez pas, plus vous comprenez ce que vous voulez et par conséquent, plus vous êtes autorisé à manifester exactement les conditions que vous désirez. Le nénuphar sur la carte est ancré dans les profondeurs sombres et monte grâce à l'eau jusque dans les airs où il émet de belles étincelles et une belle lumière. De la même façon, tirez de la force de votre chakra racine, le centre d'énergie à la base de votre colonne vertébrale, aussi bien que de vos expériences passées et de votre profondeur. Voilà donc pour vous.